Du coup, salut les gens, on repart à l'endroit où je vous ai laissé de nouveau pour cet épisode 11, si je ne m'abuse. Je vais mettre un petit timer histoire de respecter à peu près le format. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Bon, ben c'est parti. J'avoue ne plus trop me souvenir. Je suis pas chaud du tout. Je suis même très très frileux. Mais en plus on voit plus rien avec la caméra. J'ai pas trop envie de continuer à jouer en fait. C'est de là que j'arrive. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Cette porte en bas peut-être. Franchement, le bruit du bois, quoi. Je suis pas bien. Je sais pas pourquoi. Je flippe de ouf déjà. Oh là là, mais je peux pas là, le bruit du bois il me fait flipper. Ah ouais, par là peut-être. Je suis obligé de repasser par là. Oh là là, je vais pas y arriver. L'angoisse totale là.
quand il va y avoir une surprise, je vais faire une crise cardiaque. Je me sens pas chaud. Allez. Y'a rien, je sais pas où. Je sais pas où aller en fait. Je crois pas de souvenir s'il fallait que j'aille en bas ou pas. Non. Mais est-ce que je peux arriver à sauter de là jusqu'à là-bas? Ça me paraît peu probable. Ah ben voilà. Bon. C'est maintenant que je flippe ma race. Allez. Franchement, j'ai pas envie. Allez, courage. Est-ce que je peux aller par là du coup? Allez, c'est parti. Wow. Oh. Je me suis rattrapé quoi? Oh putain! Allez, vas-y, c'est bon là, courage un peu. On est one way out, on est one way! Ok. How do you know you're not a patient? Désolé, j'avance pas très vite. Mais j'ai vraiment la chocotte. La caméra cassée là, comme ça me rassure pas. Oh là là. Ok. Je crois qu'il arrive. Oh putain! Non, je suis mort là. Thank you.
Oh là là, c'est que... Salut Cindy, j'ai eu une autre conversation intéressante avec Billy ce matin. Il a dit qu'il avait de nouveau parlé de sa thérapie au docteur Wernick dans l'endroit blanc. Je m'inquiète un peu de l'aggravation de ses délires malgré les médicaments. Ce qu'aucun article sur les benzodiazépines ne mentionne. Les benzodiazépines, ce sont des médicaments contre les maladies psychologiques en général. Antidépresseurs, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, son ami le docteur mort continue à lui remplir le crâne de folklore. Germique, apparemment, la seule chose capable de tuer le Wall Rider, ce sont des papillons vampiriques vomis par un démon appelé Horreurxi. Ces papillons suceraient le souffle des gens et boiraient du sang de leurs tétons. Putain. Il pourrait aussi prendre la forme de cochon émacié ou de chien malade. Voilà ce qui se passe dans la tête de Billy. Tu m'as dit que Billy avait parlé un jour des tatouages de sa mère. Tu sais, si elle en avait en forme de papillon, la prochaine fois je pourrais franchir le pare-feu de Marienkopf. J'irai voir en ligne s'il y a des traces de ces machins allemands ou si Billy a inventé tout ça. J'aimerais bien qu'on compare nos notes un de ces jours devant un verre de vin, par exemple. On se sent seul ici à 2h du mat. Ok. Ah, c'est fermé. Merde, faut que j'y retourne là-bas. Oh merde! Oh putain! T'enculé! Oh. Où je vais là? Où je vais, putain? Oh.
suis obligé d'aller là-bas. Je sais plus, moi, je suis enfermé là. Et ouais. Donc c'est forcément par là. Ouais, ouais. J'aime pas cette musique là. Oh merde. Putain, monte là. Enculé. Oh. Oh putain. Mais comment je suis là? Je suis bloqué. Dégage-toi. Oh, c'est ça. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Oh, merde. Oh, putain, je suis tellement con. Oh là là, je flippe tellement que j'en vois pas les trucs les plus absurdes. Les plus simples. Mais non, je veux descendre. Bon. Ok. Bon, je vais terminer l'épisode 11 là-dessus. Je suis désolé, mais putain, je suis pas bien du tout là sur le jeu. J'arrive pas à m'y faire, c'est un truc de dingue. Donc voilà, bon, du coup, je stoppe l'épisode 11 là-dessus. Et puis, je vais repartir tout de suite, même si ça m'enchante pas des masses. Mais pour l'épisode 12, je vais prendre le temps de respirer. Prendre le temps d'aller me détendre quoi, et je recommence quoi. Voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 12. J'espère que vous avez apprécié mes grosses flips parce que je me chie grave dessus. Voilà, du coup je vous fais des bisous. Si vous appréciez, n'hésitez toujours pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt.